Bien, c'est tout le monde, c'est Captain Kebab et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de la carrière manager avec le LOS. Comme d'habitude, si cette carrière te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement, ça me ferait super plaisir. C'est le dernier épisode qu'on aura sur cette carrière avant FIFA 22. Donc, ce que j'ai décidé tout simplement de faire, c'est de simuler cette dernière saison. Je n'ai pas envie de vous laisser sur votre fin tout simplement. Et je veux voir vraiment ce que cette équipe aurait pu donner. Voilà, je vais pas vous faire 3 matchs dans la vidéo et que tout simplement, on reste sur un non-dit. Comme ça, on verra ce que ça va donner aussi. Si j'ai plus beaucoup de voix, les amis, c'est que je reviens du Vélodrome. Il y a eu le match face au Stade Rennais. Petite dédicace à Néon aussi. Mais voilà, c'est compliqué. Mais on est là, on est présent. On a donc un match important face à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on va simuler les matchs. On a une saison à faire avec la Ligue des Champions. Je sais pas du tout combien ça va prendre de temps. On gagne 1-0 face à l'OM, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, comme je le disais. Bon les amis, excusez-moi si ça a coupé, il y avait la cinématique de la Ligue des Champions. Donc comme je le disais, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais on va se faire vraiment cette saison ensemble. Parce que je veux vraiment voir ce que cette équipe donne. On l'a construite ensemble. On a, je pense, fait une très belle équipe. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est même qu'on aille prendre un autre défenseur central. On en avait parlé dans la dernière vidéo. Mais écoutez, c'est peut-être le moment. On a 60 millions d'euros. Et bien écoutez, arrivé de Kurt Zouma. Voilà, on craque la cheerleader dans cet épisode. Le but est vraiment de... Voilà, de peut-être finir cette saison en... Cette troisième saison en beauté. On a été sur beaucoup de désillusions. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie d'être sur une désillusion. Et j'ai envie tout simplement de marquer le coup. On va remettre 50 millions. Et j'espère vraiment que ça va le faire. Et qu'on va réussir à faire venir Kurt Zouma. Et bien écoutez, 61 millions, c'est un petit peu cher quand même. On va mettre 54 millions. Et Kurt Zouma nous permettrait vraiment d'avoir une défense de feu. Bon, on va accepter. Mais ça va pas être simple niveau salaire de... Ouais, si ça va le faire, ça va le faire. Là on va avoir une très très belle équipe pour cette dernière saison. Comme je disais, j'espère au moins finir dans les deux premiers. Parce que Paris, ça va être compliqué à aller chercher, surtout que je ne joue pas. Quoique des fois quand je joue, on a vu que c'était pas forcément mieux. Mais vous m'avez compris. Et la Ligue des Champions, et ben, elle est accrochée, un quart de finale, demi-finale, ça serait beau. J'espère qu'on va tout simplement faire ça aussi. Bah oui, bientôt FIFA 22 qui sort. Normalement, vous allez avoir les vidéos qui arrivent cette semaine. J'ai hâte de vous proposer du nouveau contenu. Ça me tient vraiment à cœur. J'espère que ça va vous plaire. Alors, hop, on va faire ça maintenant. Alors, il est au cœur de moi. Il est au cœur de moi. Ah, mais me dites pas qu'on a passé. Ah, mais oui, on est en septembre. Bon, on le recrutera pour le mercato hivernal, les gars. C'est pas grave. Donc, on joue le match face au Dynamo Kiev. Mon Kiev. Ça devrait le faire, on aura un gros défenseur central du coup qui arrivera pour le prochain match, enfin pour le prochain mercato. Victoire 4-1 en LDC, ça fait le taf, ça fait le taf clairement. On est bien au final, on est très très bien. Juste cette équipe 2, je veux voir, on a Wea. Ouais, en vrai cette équipe 2 c'est la meilleure qu'on puisse aligner quasiment. Non ça va, c'est bon, c'est top. Mais j'espère qu'on va vraiment faire une très très belle saison. En vrai il n'y a pas trop de choix, on va faire tourner face à cette équipe de Nîmes. On met quand même une belle équipe, hein, on est honnête. Et on gagne 3-0, voilà, c'est ça qu'on veut. On enchaîne les victoires. Comme quoi, c'était pas forcément moi. Des fois, quand j'ai gagné, certains me disaient, oui, c'est le niveau qui n'est pas assez élevé. Non, c'est juste que l'équipe est vraiment folle. Et là, on le voit. Donc, je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va prendre, mais j'espère que ça va bien se passer. Match face à Bordeaux. Mais écoutez, on met quand même la grosse équipe face à Bordeaux. Qui je pense sur le papier voilà, est meilleur. Victoire 3-1. Bah écoutez les amis, au pire ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve. Quoique non, en vrai on est si bien ensemble. On est si bien, on va simuler peut-être voilà, les matchs un petit peu moins importants comme face à Reims. On va le simuler. Voilà, on va faire les plus gros matchs. Quoique en vrai Liverpool, on va peut-être simuler par calendrier. Parce que il y a certaines rencontres c'est pas forcément les plus intéressantes. Allez, on simule rapidement Liverpool, il y a peut-être moyen de les accrocher. On gagne 1-0 face à Liverpool, on est en 6 points. Ce serait bien de finir premier pour aller choper le troisième d'un groupe ou le deuxième, ça serait le top. Maintenant, on a quoi là? Ouais, on n'a pas trop de grosses rencontres. Mais écoutez, on va se retrouver pour Galatasaray. On va se retrouver pour Galatasaray. On est sur un mois de septembre, 100% victoire. Angers, victoire. On est... Ouais, bonne dynamique. En vrai, on a vraiment toute la saison à simuler ensemble. Donc j'espère quand même que ça va bien se dérouler. Santé, c'est cool. Quoi que Galatasaray, ça m'intéresse pas trop. Hein. On va plutôt aller le match face au PSG, même si Galatasaray c'était un gros match. Voilà, on fait 1-1 en plus, mais c'était pas forcément le big big match. Montpellier, on gagne, ça se passe très très bien, on est toujours invaincu. Hein. Depuis la débâcle face à Monaco que j'ai vécu avec vous en vidéo lors du précédent épisode. 2-2 face à Galatasaray, ils sont chiants à jouer Galatasaray. Hein. On n'a pas réussi à les gagner les Turcs.
C'est dommage hein, parce que du coup on a pris de l'avance avec Liverpool. Mais du coup si tu, ouais, si tu perds, enfin si tu prends pas de points face à Galatasaray, c'est un petit peu dommage. Nous sommes premiers 4 points d'avance sur le PSG. Hein. Je tiens à le notifier, 4 points d'avance sur le PSG. On est hyper chaud, on est hyper chaud. Le PSG ça va être compliqué. Et on perd 2-0. On perd 2-0, but de Marco Reus et Kalimuendo. Je suis un peu moins fan de ce qui vient de se passer. Bon, on perd 3 points face au PSG. On est toujours premier en Ligue des Champions de notre groupe. Mais écoutez, on va simuler jusqu'au prochain match face à Liverpool. Allez, Kiev, faut les taper, Kiev. Ah, 2-2. Aïe, 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 à mon avis, Liverpool vont nous passer devant. On fait 2-2 face à Lyon. Une passe un petit peu moins bonne, là, de notre côté. Ouais, Paris qui... bon, on est deuxième. On va se qualifier pour les huitièmes, mais une première place serait top. Ça va se jouer sur cette rencontre hein, face à cette équipe de Liverpool. Allez, Liverpool qui... Ah, défaite, défaite. Bon, on finira deuxième. Jonathan David qui rate un penalty, ça ne changera pas l'issue de cette rencontre. Au final, bon, on n'a pas forcément trop de regrets, mais un petit peu déçu quand même. Écoutez, on va arriver directement en janvier. On a l'arrivée de Kurzuma. Kurzuma quand même, je pense qu'il peut nous faire du bien, notamment défensivement. Après offensivement, on est bien. On l'a vu que voilà, on met les 4 buts à la plupart des équipes. Voilà, regardez, là en championnat, on est sur le minimum de 3 buts par match. Ça se passe plutôt pas mal maintenant. J'attends un petit peu de voir ce qui peut se passer. En Ligue 1, est-ce qu'on est toujours premier ou pas? Non, le PSG nous a mis 3 points. Le PSG nous a mis 3 points. Ça me dérange un petit peu pour être honnête avec vous. Kurzuma qui arrive donc dans cette équipe. Ça va nous faire du bien. Ah, ça nous fait du bien de l'arrivée de Kurzuma. Là, Diallo qui va moins jouer. Parce que du coup, là, on a Gvardiol qui vient ici. Bon, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Juste, situation contractuelle de Kim. Ah, peut-être qu'on... Ah, les contrats, il y en a, ils sont peut-être pas trop contents, je crois. Hein. Il y en a, ils sont pas trop contents, à mon avis. Alors, c'est dans le statut. On va faire ça ensemble. Alors, ok, Mike, mais... C'est pas ce que je voulais faire du tout. Hein. Je me craque. Ok, mais on a plus trop d'argent en fait, j'ai l'impression. Ok, mais on a plus d'argent. Bon, c'est pas grave les gars, on finira la saison comme ça du côté du LOSC. Dans tous les cas, il n'y aura pas de quatrième saison, malheureusement ou heureusement, vu qu'il y a FIFA. Non, en vrai, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et écoutez les amis, on y va. Alors là, il y a quoi comme match qui va être intéressant? Ouh là, j'ai vu le tirage. Manchester City, bah écoutez, on se retrouve pour les huitièmes de finale. Bon, on va faire ce mois de janvier, on va le simuler. Ouais, il y a Nice. L'OM, mais je pense qu'on devrait quand même s'imposer dans toutes ces rencontres. Si on s'impose pas là, on mérite pas forcément le titre à la fin de la saison. Parce qu'il y a que les équipes qui sont largement inférieures sur le papier. Donc, je me dis, voilà, là on doit s'imposer. On gagne 3-0 face à la Berrichonne. Match face au Nîmes Olympique, face à l'OM et face à Brest. Mais écoutez, ça régale, ça régale. Ouais, 3-0, 3-0. Si l'OM, on peut les gagner dans FIFA, évidemment, ça me ferait plaisir. 3-4, ouais, gros match. Gros, gros match. Et là, on a Lyon. Ouais, là, il y a quand même un enchaînement, mais on fait nul face à Lyon. C'est peut-être ce match nul qui va nous coûter une première place. On est à 5 points. Ouais. Paris ne perd plus. Hein. Paris ne perd pas. Paris ne perd plus. Et ça, ben, on va pas se mentir que ça nous dérange un petit peu, quoi. Et là, on joue Nantes qui est bien classé, mais la Ligue des Champions reste quand même notre priorité. On fait 1-1. Ben voilà, je pense que là, le championnat, pense si on se fait éliminer en 8ème face à City, ce qui est quand même très probable pour être honnête avec vous, ça m'embêterait fortement. Ça m'embêterait fortement. Allez, on va simuler ce match face à Manchester City. Et on gagne 1-0 à l'aller. Incroyable, incroyable la victoire à l'aller. Il ne faudra pas craquer au retour. Il ne faudra pas craquer au match retour. On a 7 points de retard sur le PSG. Ça semble compliqué d'aller... attraper le PSG, mais on sait jamais. Allez, en championnat, il faut gagner 3-0 face à Dijon. Red ouais, il faut 2-3 faux pas du PSG. Et que nous, on gagne tout. On gagne face à Saint-Etienne. On a quand même des satisfactions, là. On a quand même des satisfactions. Match face à Angers. Alors, Angers, qu'est-ce que ça dit? Hop. Simulation rapide. Bah oui, simulation rapide face à Angers. C'est une victoire, 3-0. Ça se passe bien, ça se passe très bien aussi les amis pour ce dernier épisode de la carrière. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, à bombarder la barre des pouces bleus. Ça me ferait super plaisir évidemment. Et on va voir hein, vraiment ce qui se passe. Allez, pour nous faire vibrer, pour nous faire rêver, il nous faut une victoire maintenant face à Manchester City. Ça serait tout simplement incroyable. Allez, avec la grosse équipe évidemment, le match face à City, c'est une victoire
2-1, nous allons en quart de finale. Et je pense qu'on a quelque chose à faire en quart de finale. On élimine Manchester City. Et on va tomber face à qui? On va tomber face à qui? Alors on va être très attentif à ne pas... Enfin ouais, on va voir qui on tombe. Allez, la Reims, faut les taper. 1-1 face à Reims, ouais c'est ça qui va nous coûter je pense. Le titre c'est les matchs nuls en championnat. Et défaite face à Bordeaux. Oula, là, Lyon qui peut nous passer devant. Ah, si Lyon nous passe devant et qu'on fait rien, ah, ça serait terrible. Hein. Ça serait terrible et on va affronter le Napoli. On vient affronter le Napoli en quart de finale et c'est possible. C'est possible, hein, le Napoli d'aller les taper. Et on va tout faire pour. On va tout faire pour. Allez, Naples à l'extérieur. Et c'est parti. Hein. C'est parti pour les Napolitains. C'est un nul 2-2. On a l'avantage. On a l'avantage. On a fait 2-2 à l'extérieur en cas d'égalité. Ça peut être bénéfique pour nous. Lyon nous est passé devant. Ah, c'est critique, hein. Ah, c'est critique, hein, quand même. Là, on va avoir un enchaînement Lyon en coup PSG. Ah, il faut passer, là. Il faut passer. Il y a l'équipe 2, l'équipe 2. Qui, quand même, a de la qualité, hein. Cette équipe 2, il y a de la qualité. Allez, on simule. On fait 0-0 face à Monaco. Des pénaltys ratés. J'y crois, j'y crois. Non, moi je pense que l'OM, que le LOSC, excusez-moi, peut faire quelque chose de grand dans cette carrière, dans cette troisième saison pour nous récompenser de toutes les heures passées. C'est une défaite, 2-0 face au Napoli. Nous n'irons pas en demi-finale et c'est terrible, moi je vous le dis. Ah, j'aurais tellement aimé aller plus loin, mais maintenant on a des matchs face à Lyon, face au PSG qui sont cruciaux. Allez, Lens, faut le gagner ce match, faut le gagner. 4-1, allez, maintenant on n'a plus le droit à la défaite, maintenant. On n'a plus le droit de perdre. Allez, là, face à Lyon, il faut les taper, les Lyonnais, il faut les taper. Ils sont un petit peu fatigués. Au moins les taper en coupe et on perd. On perd en coupe, Lyon qui va peut-être nous priver d'une deuxième place en championnat, de la Coupe de France. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Bah, écoutez, on va simuler jusqu'au 15 juin. Voyez un mois d'avril qui est dévastateur, élimination en Coupe de France, élimination en Ligue des Champions. Et il faut espérer que Lyon craque dans ses dernières rencontres, mais ça risque d'être très compliqué. Allez Metz, allez faut gagner Rennes, c'est fait. Allez Lorient pour cette dernière rencontre de cette carrière avec le LOSC, et c'est un nul 0-0. Peut-être à l'image de notre carrière qui est... Voilà, synonyme d'un manque de chance apparent à certains égards. Je suis un petit peu dégoûté de faire ce résultat, mais écoutez, c'est comme ça. On ne peut pas toujours gagner. Fin des matchs. Et on finit quand même 3ème avec 91 points. 94 pour Lyon, qui fait une grosse saison, et 100 pour le PSG. Ah, c'est dommage, je veux quand même vous montrer le nombre de matchs qu'on a fait dans cette carrière. Ouais, des objectifs qui ne sont pas remplis. 176 matchs, 118 victoires, 27031 défaites. Deux Coupes de France remportées, une Europa League. Mais malheureusement, pas de beau parcours en Ligue des Champions. Pas de Ligue 1 remportée. Et ça, je suis un petit peu déçu. Je vais vous montrer les statistiques de cette dernière saison. 28 buts pour Jonathan David, 20 pour Rafinha, grosse recrue. 17 pour Sanchez, 14 pour Mamba, 13 pour Zapata, 6 pour Bragança, 4 pour Arojo. En termes de passes décisives, 18 pour Renato Sanchez, 14 pour Rafinha, 12 pour Mamba, 11 pour Jonathan David. Et 3 passes quand même pour Mike Maignan, et en termes de valeur marchande des joueurs qui valent beaucoup, plus de 126 millions pour Jonathan David, 114 pour Renato Sanchez. En tout cas, ça a été une carrière que j'ai kiffé réaliser, qui a duré dans le temps. J'espère vraiment que vous avez pris le même plaisir que moi à suivre cette carrière. J'ai vraiment kiffé. On a eu des révélations telles que Timothy Weah qui nous a fait vibrer. On a également eu le petit Susic qui a marqué des buts très importants la première saison. On a eu la Camara, Mohamed Camara, qui a été tout simplement incroyable. On a des Renato Sanchez, des Celik, des Jonathan David, des Bamba qui nous ont fait vibrer pendant des longues saisons. Et j'espère vraiment que vous avez pris le même plaisir que moi. Si cette dernière saison, je suis désolé s'il n'y a pas de gameplay, t'as plu, ben n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À lâcher l'abonnement si ce n'est pas encore déjà fait. C'était CK, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Peace.